Tu veux devenir ingénieur? Tu veux devenir ingénieur? Physicien, mathématicien, architecte. Ah, si vous voulez devenir architecte, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc notre ami va travailler avec vous et après vous allez faire une rotation. Vous allez découvrir d'autres choses dans d'autres stands. C'est bon? Donc il faut suivre attentivement. À tout à l'heure. De 10. Avance de 10, non? Ouais. Voilà, ce sont les instructions. Est-ce que vous avez vu? Donc, si vous voyez, tout ce qu'il y a jusqu'en bas là, ce sont des instructions. Ok? Maintenant, vous allez voir un peu plus haut, il y a des blocs de couleurs. Rouge, et orange, bleu, violet, jaune. Vous les avez vus? Ouais. Faisons à ressort. Voilà le ressort, c'est ça là qu'on appelle ressort. Faisons à ressort. C'est bon? Dynamomètre ou faisons à ressort. Alors, ici, on a mis une valeur. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Dis-nous ce qu'on a écrit ici. 5 nanomètres. 5? Est-ce qu'on a mis 5 nanomètres là-bas? 5 N. 5N. Voilà, 5N. N là signifie quoi? N là signifie quoi? Oui, mon ami au fond. Nanomètre. Nanomètre? Oui. 5 signifie. N signifie la Newton. Newton, c'est quoi? L'unité de mesure de la poussée d'Archimède. La force, le poids, la poussée d'Archimède, ça se mesure en Newton. Équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Si ah, mais le 2 là, lui il est ici. Ok? En écrivant ceci, il faut équilibrer. Voilà. Donc, déjà ici là. Oui, déjà. Ah, déjà. Ok, ça va.
parce que c'est ça qui vous permet de faire les robots, de faire les machines comme ça. Vous suivez ici. Hmm? Donc l'année prochaine, vous irez où? En cinquième. Et pour aller là-bas, il faut faire comment? Vous travaillez. Oui. Et si vous travaillez bien, vous comprenez bien les cours. Là. Voilà les choses que vous pouvez faire. Vous voyez le frère qui vous a montré le groupe, non? Oui. Voilà, vous allez pouvoir faire aussi des choses comme ça. C'est bon? Je suis Koda Badjambora, directeur du CG Alibi 1. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir l'équipe Moulab,
qui est venu pour essayer de faire un certain nombre d'expériences. Donc c'est un laboratoire mobile. Et nous avons eu beaucoup de choses. Ils ont eu à faire beaucoup d'ateliers. Et les enfants ont découvert beaucoup de choses. Alors, je tiens par cette occasion à remercier l'ambassade des États-Unis et le corps de la paix, puisque c'est eux qui ont négocié cette visite. Alors, je remercie toute l'équipe qui est venue. J'étais très, très, très fier parce que les élèves suivaient seulement les cours théoriques. Aujourd'hui, ils ont eu à faire non seulement la pratique, mais à appliquer un certain nombre de choses. Donc, je tiens une fois encore à remercier tout l'ensemble de ceux qui ont pensé à nous. Merci. Mais on ne savait pas que exactement ce que est dedans le voiture. Le moment quand le voiture est arrivé aujourd'hui, on a crié, on a applaudi le voiture qui est arrivé. On a commencé à faire beaucoup de travail dedans le salle. Et on a fait les expériences scientifiques, on a joué la musique, on a utilisé la technologie comme le drone, le caméra, toutes les différentes choses. Ça, c'est très important pour les enfants de voir, comme les enseignants sont en train d'enseigner les sciences. Quoi. Mais on ne peut pas regarder la technologie même. Quand il y a une opportunité pour les enfants de vraiment regarder les choses, on va discuter dedans la salle. Ça veut dire que les enfants peuvent mieux comprendre les choses qu'on va discuter. Si les enfants sont comme, si les enfants commencent d'être intéressés dans la science maintenant, à l'âge jeune comme ça, ça veut dire que peut-être à l'université, ils vont penser que, oh d'accord, je peux étudier la science, je peux devenir n'importe quoi, je peux devenir un ingénieur, je peux devenir un scientiste. Même si les filles vont penser que, bon, je peux le faire. J'ai la capacité, je suis forte. Donc, ça me plaît beaucoup et je suis très très contente avec le travail pour le laboratoire.